Victime d'une grave blessure à la cheville et au dos lors d'un saut en parachute lorsqu'elle était au GIGN, Margot Boulay a su faire preuve de résilience. Lors des Jeux paralympiques de Tokyo, elle a décroché la médaille de bronze en aviron. Elle était présente mercredi 17 novembre au centre Westfield Vélizy 2 pour présenter son parcours en tant que marraine du programme Scola. Quand on m'a proposé en fait de parrainer cette promotion, qu'on m'a expliqué le concept, hein, j'ai trouvé qu'il y avait un certain parallèle entre mon parcours, l'accident et cette chance que j'ai eue de pouvoir rebondir. Hein, c'est une chance aussi qu'on m'a proposée. Je ne suis pas arrivée toute seule. Et Scola permet aussi à ça à ces jeunes. Et j'ai trouvé que c'était très beau. C'était à la fois osé et audacieux. Et j'ai beaucoup apprécié le concept. J'étais disponible, donc j'étais ravie de pouvoir venir. Le programme Scola, porté par les apprentis d'Auteuil, permet à des jeunes peu ou non diplômés d'accéder à l'emploi sur des secteurs en tension comme la vente. Pendant 2 heures, ils ont pu échanger et présenter leur boutique à Margot Boulay, un moment enrichissant des deux côtés. Ça nous prouve que malgré l'accident qu'elle a eu, elle s'est relevée, elle a continué, elle est devenue championne. Ça veut dire que tout est possible tant que j'ai pas eu d'accident, je suis en forme. Ça veut dire que j'ai toutes les chances de réussir. Juste, il faut croire en soi, de vouloir être déterminé. C'est inspirant. J'ai discuté avec les stagiaires. Ça a donné du jus, de l'espoir. Donc c'est important d'avoir des gens comme ça, vraiment. Tout est possible tant qu'on est en vie. Un message fort que Margot Boulay souhaitait délivrer aux stagiaires du programme Scola. De quoi les rebooster pour réussir leurs examens de fin d'année et se fixer de nouveaux objectifs.